Salut à toutes et à tous, c'est Nimbit06 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série pour changer un petit peu de l'habitude. Donc je vous présente l'Ultimate Team. Donc mon projet de série, ça sera de par exemple de faire des tentatives de gagner la compétition en or que propose le jeu. Donc là, pour nos secondes, je finis de mettre en vente les cartes que je vends. Hop, hop, hop. Donc cette série sera basée sur des tentatives. Attendez, voilà, comme ça le chase il passe. Alors, allez. On va finir de vendre ce putain de joueur. Donc oui, donc ça sera basé sur des tentatives de gagner la coupe en or avec peut-être différentes équipes, mais pour l'instant j'en ai pas 150 000 des équipes. Et il y en a qui sont en construction et des trucs comme ça. Donc je vous présente, non, ce sera pas celle-là. Ça sera pas celle-là pour ce match, pour cette tentative-là. Ça sera ma BPL. Donc voilà ma BPL. Hein. Vous connaissez les joueurs qui sont là. Hein. Donc je vais finir de placer les joueurs. Voilà. Notre ami Lampard. Tu vas aller faire un petit tour sur le banc. Voilà. Ouais, c'est parfait, on peut y aller. Allez, donc c'est parti pour cette tentative de gagner la coupe. Voilà. Allez, c'est parti. Donc la coupe sera faite en un match, en une seule vidéo. Donc voilà pourquoi une tentative par vidéo. Donc je verrai ça, hein. Peut-être je mettrai genre Mission Impossible gagner la coupe en or parce que j'ai jamais gagné, hein, voilà. Donc ça c'est fait, j'ai jamais gagné. Enfin, une fois j'ai failli la gagner mais je me suis fait avoir au péno. Donc là on commence par une équipe complètement détruite, enfin en construction. Mais bon, faut faire toujours attention, hein. N'oubliez pas qu'il faut faire gaffe aux gens comme cette personne, 3 bouts de FC là. Faut faire gaffe. Parce que j'ai des fois l'habitude de faire des matchs pourris contre des toutes petites équipes. Allez, c'est parti. Donc en espérant qu'il va pas laisser les cinématiques. Bon, ça va, il a l'air de vouloir les passer. Donc voilà mon stade, le Stamford Bridge. Mais c'est temporaire parce que moi le stade que je veux, c'est l'Etihad Stadium, celui de City. C'est parti. Alors on va essayer de se concentrer. Vous voyez, hein, faut faire très attention. On devrait assister, je pense, à un beau duel entre deux équipes assez similaires. Et c'est Monsieur Guilherme Santos. Ah d'accord, ok, merci de ce que tu viens de me faire. Je ne sais pas qui là, c'est Seigneur. Voilà. La touche à proximité de la surface. Ah oui, aussi je viens de m'apercevoir un truc. Attends, dès que j'ai la balle, je vais faire pause. Voilà, ça a duré 2 secondes. Tac. Tac, tac. Voilà. On va se rasseoir et on y va et on continue. Allez. Voilà. Alors. Yes. Et le ballon qui est sorti en touche. Kim. Oh, il est en ballon. Et c'est stoppé. Sergio Aguero. Allez, Valo, t'es parti. Et Valo, t'es parti. Oh putain. Oh, oh oui. Oui, merci Aguero. Merci Aguero. Yes.
Bon bah on commence bien, on commence très bien cette compétition. Bon, pour l'instant ça va. Voilà, allez, faut toujours se concentrer un peu. Dommage. D'accord, il y a eu un bug. Non, non, mais bien joué à lui, il a profité de mon bug. J'ai eu un bug et il en a profité. Non, non, mais c'est bien joué à lui. J'ai eu un bug. Voilà, j'ai eu ce bug là à un moment. Hop, voilà, je voulais pas ça, je voulais pas la faire la nuit et ça a bugué. Bon, bah tant pis, hein, bien joué à lui, il en a profité, hein, c'est normal, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez. Bon, c'est pas grave, hein. On va essayer de marquer quand même, hein, parce que sinon ce serait pas drôle de se faire éliminer déjà dès le premier match par une équipe toute pourrie. Voilà, merci Balotelli, hein, toujours là pour nous sauver de la sauver de la crotte. Allez. Tiens, qu'est-ce que c'est fait? Hop là! Ah! Contre-attaque! Vas-y, ballot! Allez, ballot! Allez, ballot! Ah! C'était quoi ce pavé là que tu nous as mis là? Gros pavé en brique! Il nous a fait une brique, ballot là! Pas bien ça! Allez, vas-y! Hop! Petite balle! Né, vilain! Coquin! Espèce de coquin! Tiens! Raté. Le ballon change de camp. Oh oh. Hop là, oh là, oh là, oh là. Allez, allez. Oui, bien joué. Ça, c'est Sech. Sort très vite. Enfin, à peu près vite. Donc, ça va. Hop. Oh. Alors oui, donc de temps en temps je fais des dribbles, mais j'ai pas un style vraiment qui est basé sur le dribble. Donc de temps en temps je ferai peut-être un dribble ou deux, mais après je suis plutôt un style où je construis le plus possible mon action. Bon, peut-être que c'est un défaut, hein. Des fois je me projette pas assez à l'avant. Allez, ah, ou aussi j'ai un joueur qui me fait une frappe de merde. Merci Marco. D'habitude c'est mieux ces frappes. Donc si vous enlevez par exemple Balotelli Agüero, vous pouvez vous, et Sech bien sûr, vous pouvez vous en tirer pour pas énorme, hein, pour cette équipe. Par exemple NBA, je crois que c'était pour 2000 ou 3000 crédits. Bon, après quand vous tapez dans le, bon, le Agüero, je l'ai eu en pack, hein, bon. J'ai eu une chance de cocu, oui je sais. Compagnie aussi, je sais. Mais par exemple Sech, il m'a coûté 20 000 crédits par exemple. Bon, peut-être que d'ici, c'est ce que vous l'achetiez, il aura diminué. Bon, après il y a des joueurs comme Walker, bon, il m'a coûté peut-être 5 ou 8 000, je sais plus. Donc après quand vous tapez dans des gros joueurs, ça coûte cher. Mais vous pouvez faire des BPN avec des petits joueurs, hein, par exemple du Miralas ou du Dembaba ou de Wingy par exemple. Vous pouvez commencer avec ça et ça fait de très bons résultats, hein. C'est pas mauvais. Donc après vous pouvez taper dans du luxueux, hein, Santi Cazorla et toute la clique. Allez, c'est Seignon. Deuxième essai. Oh là, nous a fait une stratosphérique retourne acrobatique dans les airs. Varela qui se prend un carton. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, et d'accord, je comprends. On va essayer. Enfin, je vois l'action, mais j'avais pas vraiment fait attention puisque j'avais l'avantage, donc j'ai mon cerveau a privilégié l'action. Oui, parce que mon cerveau choisit les actions, vous savez ça. Non mais j'avais pas fait action. J'avais pas fait attention en fait à la faute. Allez ballot, allez ballot. Oh oui, ballot Mario, Super Mario, toujours là. Voilà, 3 buts à 1, merci. Non mais il faut quand même dire bien joué à l'adversaire parce qu'il quand même il défend bien, hein. Moi, quand il fait des choses bizarres, l'adversaire, bon, c'est sûr que je rage, hein, c'est un peu comme pas mal de monde. Ah, il y a un bug du jeu, on passe à travers le sélectionneur.
Je savais pas ça. Moi bon, non, mais c'est parce que c'est un des premiers FIFA où il modélise l'entraîneur. Enfin, donc on leur en veut pas. Hein. Là, on s'est auto-défendu. Enfin, il y a eu un problème. Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire sortir Sech. Voilà. En laser, Sech est une valeur sûre. Enfin, sûr à 98%, parce que des fois il peut vous faire des blocs, comme tous les goals bien sûr. Un hors-jeu, oui, ouais, non, mais là j'étais à 3 km de la ligne, il y a un gros hors-jeu. Prochaine fois, faudrait peut-être que je fasse gaffe. Que l'IA qui contrôle Mario Balotelli avant que je le prenne contrôle. Ouf, putain, c'est chaud là. Allez, allez, on défend les copains, on défend les copains. Oh punaise. Oh, heureusement que leur jeu était là, parce que Sech renvoie la balle, là il y aurait eu l'action, donc il la mettait, hein. Là c'était direct dedans, hein. C'était je pouf et voilà, hein. C'était le but de la carotte. Allez, on balance tout de suite. Oh Guero, ton contrôle s'il te plaît. Voilà, hop, tac. On va un peu en arrière, voilà, pour calmer le jeu. Tac, de temps en temps je repars en arrière pour repartir et faire une belle action. Là Marco. Elle est tutée par Mario. Non, c'était un peu bizarre ce son, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il y avait un joueur au sol, mais il s'est relevé. Allez vas-y, Mbia. Oh ouais, t'étais tout seul, mais bon. J'aurais peut-être dû contrôler le ballon et faire une reprise de volée. Ah ouais, c'est bien son coréen qui s'est blessé. Son coréen s'est blessé. Oui, son milieu de terrain. Oui, parce qu'il a mis un milieu de terrain comme défenseur. Bon, c'est parce qu'il avait pas beaucoup de joueurs, mais bon, il aime pas ni la compo ni sa place, donc ça lui fusille un peu son équipe. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est son choix ou qu'il est en train de construire son équipe et qu'il n'avait plus de défenseur pour. Il n'y a plus de défenseur peut-être, hein, ou que c'est un remplaçant, hein, s'il faut. Pourquoi pas, hein, qui sait. Qui sait. Oui. Ok. Le défense, c'est pas trop ça. Oui, non, mais moi et les défenses, je suis pas une muraille de Chine. Hein. Donc le gars, il peut passer sans trop de problème. Et là, il nous a fait le saut du saumon. Sech, mais il nous a capturé le ballon. Alors, en quoi on consiste le saut du saumon? Bah, vous êtes à terre et vous sautez comme un saumon. Alors d'habitude avec des amis en délire, on fait oh, moi le pouvoir du saumon, et puis on rigole comme des baleines pendant 2 heures. Non, c'est sur des petits trucs cons, mais c'est marrant parce que dans la FIFA ils font des gestes un peu bizarres des fois les joueurs. Il y a quelques bugs, hein, ça arrive. Oh là, oh oui, non mais ça t'a mon avantage. Gibbs, teuté, toute faible, hein, digne d'un poussin. Première année de la part de Mario. Alors selon l'équipe du dimanche, ou peut-être la Gazzetta, il y aurait le Berlusconi qui serait revenu à peu près et qui voudrait s'acheter Mario Balotelli. Alors là il peut s'accrocher, parce que là je crois que si tu veux on va pas le lâcher, ou s'il le lâche mais c'est pas une grosse somme, parce que bon Super Mario il coûte cher. Très cher. Genre là dans le fut c'est genre du 40 000 crédits, dans le jeu je crois que c'est 20, 30, 35 millions je crois. Alors je crois pas que Milan a assez et les sous, hein, vu le recrutement de cette année, forcé bien sûr. Allez Mario, pou 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 pou, Mario, ta 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 ta, il est toujours là, hop là. Alors oui, vous pouvez peut-être m'en reprocher, mais je fais souvent cette célébration, parce que bon bah c'est la plus facile à faire, et c'est celle que je maîtrise le plus. Normal, vu que je la fais au moins 70 fois dans la semaine, ou je sais pas, ça dépend en combien de temps je joue aussi. Allez Mario, encore. Oh, l'attentat. Je plaisante. Le mec va-t-il rage quitter? Oui, tout à fait, Thierry, il a rage quitte. Dommage, on pouvait encore s'amuser un peu. Bon bah tant pis, on a gagné le premier match, tant mieux. C'est bien, c'est cool. C'est cool, mon frère. C'est cool, mon frère, c'est cool.
C'est cool. C'est cool, mon frère, c'est cool. Allez, hop. Alors. Bon. Jouons le prochain match. En espérant que la City ne bug pas. Non, il ne bug pas. Quelle chance. Wouhou. Alors, modifier la compo. Alors. Ouais. Notre ami Agüero, on va laisser sa place à notre ami Chicharito. Voilà. Et en défenseur gauche et droit, on va mettre donc notre défenseur gauche. Il est là. Richardson. Et Walker, tu vas laisser ta place à Johnson. Ah oui, j'ai trois défenseurs droits, mais bon, c'est pratique comme ça. S'il y en a un qui se blesse ou il y a un problème. J'en ai toujours j'ai toujours un tour dans mon sac. Alors Mario, on va te mettre une petite série de contrats. Voilà, c'est parfait. L'entraîneur, bon bah lui, il a encore 8 matchs. Il a encore 8 matchs dans le coco, donc c'est bon, on est tranquillou. Allez. Bon. On va pas passer 3 heures. Vous pouvez me trouver un adversaire. Je sais qu'il est. Il est tôt, enfin pas vraiment tôt, mais qu'on est lundi, hein, qu'il y a l'école. Ça serait un peu stupide de pas trouver un adversaire quand même. ouais. Merci, s'il vous plaît. Vous pouvez trouver un adversaire. Allez. Bon. Ben. On va attendre. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse, hein? Voilà, aucun adversaire, donc on va réessayer. Alors des fois il y a peut-être des bugs hein, le temps que un match se termine ou un truc dans le genre. Mais là, voilà. Ah voilà, parfait. On a trouvé un adversaire. Bonjour à toi adversaire. Alors The Tiger. Ok, ça promet, attention. Oh. Oh, je suis dans la... Oh putain, oui. Oh lolo. D'accord, Mariano. Ouais. Ramirez, Wellington. Oh putain. Ouf. Bon. Ben, je pense qu'on va se faire manger tout cru. Mais bon. Ah, il y a toujours une petite chance de gagner. Mais bon, il va falloir jouer comme un gros PGM de la mortitude. Allez. On y va. Ok, donc le mec c'est un dribbleur normal. Vu ses joueurs, je pense qu'il va beaucoup essayer de dribbler. Ah ouais, non, pas petite. Ok, bon. Ouais. Merci pour. Oh, d'accord, j'ai rien dit. Ah, Anita, il est là lui. Bien, hop. Tac. Ah, dommage. Ah, c'est con. Oh, bien. Hop. Mort-toi. Putain. Mais ouais, mais Mariano, il a des fusées. Ah oui, Hulk, putain. Ah là 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 là. Carlos Eduardo, non. N'importe quoi le truc. Regarde-moi ça, non, mais regarde-moi ça. Attention. Ah, merci, Sech. Sech est toujours là. D'accord. Merci, Chicharito. Hein. Voilà, calmement. Mais ouais, mais il presse 10 000 fois plus vite. Putain, quelle défense que j'ai faite là. L'appel de Mario Balotelli. Chicharito, là, tu pues là, tu pues sur ce coup là. Hein. Là, tu sens le renfermé là. C'est quoi cette histoire là? Peut-être une occasion. Allez Johnson. Pouh, c'est n'importe quoi. Eh voilà, non mais voilà, je suis déconcentré, voilà, je fais des conneries. Ça y est, c'est parti pour Conneryville. Oh, bravo, quelle intervention Sech. Moi aussi je vais faire ça, hein, t'as vu? Oh, bien. Oh, bien ça. Oh, oui. Bon, j'ai intérêt à centrer vite fait. Hop, mais c'était quoi cette frappe, Anita? C'est une frappe d'enfant de 2 ans et demi.
Richardson. Oh là, complètement trop. Oh, bien joué, Richardson. Belle intervention. Hop. Ah! C'est bon. Voilà, lui, il sait faire une passe, hein, excuse-moi, mais bon. Pff. Ok. Bien joué de sa part. Non, non, mais le gars, il joue super bien. Attention. Oh non, mais non, c'est pas des trucs à manquer. Putain, tu sais très bien quand. On va être emmerdé dans ce match. Putain, t'aurais dû la mettre. Putain, on aurait au moins un joker. Hop. Ouais, bien joué. Allez, c'est saignant. Allez, c'est saignant, mais pas toi, un peu, espèce de chaussette puante ambulante. Ok. Non, mais je. Vous pouvez faire des passes en avant, s'il vous plaît. Merci. Hop. Oh, 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 allez. Ah, oh, putain. N'importe quoi. Allez. Bien, bien, bien. Sinon, il nous envoie une passe stratosphérique. Ça aurait été... Oh, oh, rebla. Allez. Putain, allez, voilà. J'étais obligé parce que là, commence à me pomponner le pompon là avec ses dribbles. Oh bien, 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 bien joué. Attention à Lucas. Hop là. C'est bon. Oh putain. Faut vraiment se dégager là. Faut vraiment se dégager. Voilà. Merci. Oui, allez Chicharito, fais profiter ta vitesse là, on dirait un camion qui roule. Un camion citerne à double remorque. Putain, mais tu fous quoi là Chicharito? Oh oui, bien joué ce saignant, bien joué. Hop. Ah, pff, Julio César, la blague, ce goal, c'est une merde normalement. Pas possible, c'est quoi ce gardien? Alors c'est bizarrement, vous prenez le même gardien que la personne qui lui joue super bien, vous prenez vous, et bizarrement il vous fait de la merde. Je sais pas pourquoi. Oh oui. Attention aux frappes de loin, parce que bon, c'est des vrais... Ce salaud. Ouais, c'est bon. Allez Johnson, allez Johnson, y'a personne, y'a personne. Bon, on y va seul pour l'instant, on y va seul. Voilà. Oh oui, oui. Oui, c'est saignant. Oui, oui, oui. Allez, c'est saignant. Ouais. Yes, c'est saignant. Goal. C'est saignant. Putain, merci, c'est saignant. Putain. Tu nous offres un peu d'air. Ah, il nous offre de l'air, là. C'est saignant. Merci, là, il nous a offert un peu d'air. Parce que là, ça commence à être irrespirable avec ces putains de dribbles et tout ça. Là. Allez, vas-y, une bonne grosse passe. Bonne grosse brique. Non, il nous a fait du chamallow. Une passe en chamallow. Ah, putain. Non, non, faut pas que je lance le défenseur central parce que l'autre, sinon... Ouais, voilà. Sinon, il y aurait un gros trou ici. Ah non, mais oui, putain, mais... Voilà pourquoi un joker. Parce que c'est enculé, voilà, désolé, mais je le dis, c'est un enculé, ce mec, voilà, quoi. Il fait sa pute avec son petit but, et voilà. Génial. M'énerve. Qui me saoule? C'est quoi? Parce que là, ça suffit, on se prend 50 milliards de contre. Et voilà, putain, mais c'est bon. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Putain, j'arrive pas à faire mes trucs. Voilà. Ce matin, pressing pour presser un peu plus parce qu'il presse rien du tout. Je me fais avoir sur des contres.
D'accord. N'importe quoi. Non, vous voyez, je passe car. Fini. Il n'y arrive plus. Le mec imbattable, il me sort des adversaires, c'est n'importe quoi. Ah non, mais. Allez, vas-y, fini. Samsung. Je suis saoulé. Je vois que déjà qu'avec une BPN assez forte, j'y arrive pas, mais que ça va être que d'autres équipes, hein, c'est impossible. Ah, j'ai bien trouvé le nom. Mission impossible. Gagner la coupe gold. Bon courage. J'y arriverai jamais. Il y aura 70 millions d'épisodes. Il y aura des épisodes jusqu'à FIFA 14. J'y arriverai pas, quoi. Non, c'est pas que je me dénigre. Non, mais c'est bon, faut être réaliste aussi, hein. Là, peut-être que sur ce contre, je pourrais égaliser. Ça serait bien, d'ailleurs. Merci, c'est Seigneur avec une jolie frappe, mais il n'y a personne derrière. Voilà, c'est n'importe quoi. Allez, Hernandez, tu nous as rien fait du match, comme d'habitude. Vivement que j'étais veste, parce que là, il commence à me pomper l'air, ce putain de joueur à la con, là, Hernandez. Non, mais c'est pas un mauvais joueur, mais le problème, c'est que soit il vous fait des super matchs, soit il fait rien du tout. Hors jeu, oui, bon, si tu veux, hein. Si ça te fait plaisir. Voilà quoi, il peut faire des excellents matchs, mais aussi il peut faire de la merde intersidérale. Sinon, c'est un bon joueur, très rapide, c'est tout. Pardon, voilà, c'est tout, et rapide. Voilà. Voilà, rapide, c'est tout. Bah, il peut faire de quelques dribbles, c'est un joueur complet, mais bon. Soit vous faites de la merde, soit il fait des bons matchs. Mais accrochez-vous pour en avoir beaucoup des bons matchs. Peut-être. Allez hop. Allez, c'est saignant. Vas-y, tu ôtes ballot. Allez, vas-y, hop. Ah, mais là. Eh oui. Vous savez ce qu'il a fait? Défensif, contre-attaque. Voilà. Le mec, il fait ça depuis le début, voilà. Contre-attaque, ses joueurs courent très vite. Voilà, tu peux rien faire. Voilà, impuissant. T'as plus qu'à prier que ton gardien l'arrête. C'est parti. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sur son bon pied. Oui, il ne monte pas la défense, donc il est en défensif contre-attaque. C'est dégagé du point. Voilà, une bonne passe pour une fois de Chicharito. Voilà, à personne, mais ça me gonfle. À personne. Pourtant, moi, je me suis remis en équilibré. Je comprends pas. Hein. Normalement, il devrait être là, hein, mais bon. Il n'y a personne comme d'hab. Ah, impossible de marquer. Oh non, mais je pense qu'il va gagner et puis voilà, hein, c'est tout. La première tentative aura tourné court. Allez, s'il lève la tête, il verra l'appel de balle. C'est un très bon ballon, ça. Heureusement que je l'ai contré. Heureusement que je l'ai contré la frappe de Neymar, parce que sinon j'étais cuit. J'étais complètement cuit là. Là il est. Ouais. Oui, oui, non mais. Digne de vidéo gag ça. Dommage qu'il n'existe plus cette émission. Là c'était digne de vidéo gag. Voilà. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ah, là. Oui, mais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Pour une défense. Il a fait preuve d'un joli sens de l'anticipation sur cette action. Il a senti que le gardien voulait relâcher le ballon. Maintenant, Balotelli. Attention, le but. Ouais, une frappe de souris.
Ah, ça circule parfaitement, c'est fluide, c'est beau. Ah, ça peut être dangereux, il est bien lancé. Ça peut peut-être aller au bout, peut-être. Ouais, voilà, non mais là, bah là, il va me foutre une raclée parce que les joueurs ont perdu du moral. Hein. Plus vous prenez le but, plus vos joueurs sont pourris. Hein. Alors bah là, je pense que je vais finir à 5-1 ou 6-1, ouais, je pense. Il me gonfle. Javier Hernandez. Voilà, Chicharito, n'importe quoi sur ce match. L'homme invisible, Fantomas, le joueur, c'est. Il existe pas. Eh, c'est saignant pour l'honneur, non. Que dalle. Défenseur qui est passé. Oh, quel jeu de tir. Oh, il repousse. Oh, de la tête. N'importe quoi. J'ai des actions, mais ça me rend pas, moi, bizarrement. Hein. On ne sait pas pourquoi. Ah, le contre, il faut aller vite maintenant. C'est une belle occasion, cela. Et regarde-moi ça la vitesse, mais c'est n'importe quoi. Vrai, les brider ces joueurs, putain, c'est impossible. C'est du cheat complet, regarde-moi ça, que ça court, ça dribble, hein, tu peux rien faire, absolument, t'es impuissant. Impuissant, c'est une équipe de con comme ça. Voilà, c'est, je comprends pas, voilà, ouais. Oh ouais, c'est tout à fait ça, alors, exactement. Oh, c'est incroyable quand même. Mais regardez sur cette action, alors, il n'est pas toujours nécessaire de frapper fort pour marquer. Le ballon placé au ras du poteau, on est la preuve. N'importe quoi, ce match à la con. Balotelli. Oh oh, allez. Attention à la réception de ce centre. Allez, Balotelli qui nous fait des briques maintenant. Grosse bricasse, il nous a fait. Il a bien coupé la trajectoire. N'importe quoi. En avant les histoires. Hop. Attention à cette perte de balle. Allez. Oh, quel beau ballon. Allez. Oui, oui, peut-être le but. Non, oui, ben non. Hein. Dans ton cul, tu fais l'avion. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est tu marqueras jamais, putain de jeu à la con. Bon. Voilà, putain, prends-toi des briques dans ta tête. Et voilà, élimination, youpi, je suis trop content, waouh. Génial. Ah, mon dos, en compote, bien sûr. Ah. Bon bah voilà, première tentative. Game over. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, je vous dis à très bientôt. Donc ouais, non mais les premiers matchs, genre le 8ème, c'est toujours du gâteau, vous tombez toujours contre quelqu'un de plus faible. Et bizarrement, vous arrivez en quart et là vous. C'est comme si vous partiez d'amateur pour arriver en international. Bon. Allez, on va ouvrir notre petit pack de fin de vidéo. Qu'est-ce que c'est? Pinard, je crois. Youpi! Wouhou! Pinard. Faisons la fête. Da 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 da. Wouhou! Génial. Bon, allez, en vente. 300, tu vaux pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guerrero. Tu joues où, toi? Ah, au Brésil. Bien, bien, bien. J'ai besoin de toi. Allez, hop. Conservé dans le club. André. Une merde. Cool. Oh, des contrats. Non, pas ça. Je vais celui-là, moi, de contrat. Mais... bah tiens, lui, tiens. Pourquoi pas. Ouais, je privilégie les formes, voilà. Voilà. Des formes. Forme. Et un petit contrat, puis pff, ça je vais vendre 150. Voilà, et puis tout le reste. Ah, la poubelle. Bon. Et bah, voilà, voilà, mes amis. Donc, pour cette première tentative, c'est raté. Donc la prochaine, la semaine prochaine, on pourra faire une nouvelle tentative avec l'équipe d'Italie. Voilà, voilà. Donc merci à tous et à la prochaine pour de nouvelles aventures footballistiques.
Allez, ciao tout le monde.